Toutes les mesures qui sont annoncées par ce gouvernement, par le ministre de l'Intérieur Retailleau, il ne cesse de s'attaquer aux travailleurs immigrés, il ne cesse de s'attaquer aux migrants et aux travailleurs sans papier. Depuis des semaines se succèdent les annonces comme quoi, l'immigration c'est comme la délinquance, vous êtes des terroristes, et quand c'est pas ça, vous êtes des profiteurs qui venaient ici profiter de l'aide médicale d'État. Alors juste un mot pour l'aide médicale d'État. Si vous êtes contraint d'utiliser l'aide médicale d'État, c'est pas que vous le voulez, c'est parce que le gouvernement, cette préfecture et l'État vous refusent les papiers. Si vous aviez des papiers, vous seriez comme les autres travailleurs et c'est ce que vous revendiquez. C'est ce que vous demandez, on vous le refuse et puis on vous accuse après de profiter de l'aide médicale d'État. Voilà, la honte. Mais il y a l'aide médicale d'État, il y a la tentative d'instauration du délit de sans-papier pour mieux pouvoir vous poursuivre. Il y a les centres de rétention et il y a dernièrement, donc ils ont annoncé qu'ils voulaient une nouvelle loi asile et immigration. Le Rassemblement national se frotte les mains derrière parce que c'est pour satisfaire le Rassemblement national, pour avoir le soutien du Rassemblement national, qu'ils ont annoncé qu'à nouveau, ils vont remettre le couvert prochainement sur une nouvelle loi asile et immigration. Vous vous rappelez, il y a un an, Darmanin et le gouvernement de Macron, nous avez empoisonné avec des discours racistes, xénophobes à propos de cela. Eh bien, ils sont en train de remettre ça. Et comme vient de le dire Jean-Louis, c'est malheureusement pas seulement en France que c'est comme ça. Dans tous les pays européens, ils sont en train aujourd'hui de discuter comment ils peuvent mener la guerre aux migrants et la guerre aux travailleurs, aux pauvres, en réalité. Parce que ceux qui sont visés dans tout ça, c'est les pauvres qui cherchent à fuir leur pays qui a été ruiné par les capitalistes, qui a été ruiné par les capitalistes occidentaux et qui, aujourd'hui, cherchent un peu comment se mettre la tête hors de l'eau. Eh bien, on veut les en empêcher et voilà, l'Italie, avec l'Albanie, mais les autres pays européens, eh bien, ils se posent ce problème-là. Et il n'y a pas qu'en Europe, dans les États-Unis, ils sont en train aussi, à l'occasion de la campagne électorale, de mettre en œuvre toute une politique encore plus anti-migrants qu'avant. Alors face à tout cela, eh bien, oui, il faut tenir bon, parce que c'est pas que vous qui êtes attaqués, c'est aussi tous les travailleurs. Parce qu'ici, en France, ils vous attaquent à vous, mais ils attaquent aussi l'ensemble des travailleurs. Les licenciements se multiplient dans plein d'entreprises. Dans les services publics, ils réduisent les effectifs. Dans la santé, dans l'enseignement, dans les transports, partout. L'argent de l'État, eh bien, ils le mettent de moins en moins dans les services publics pour pouvoir financer de plus en plus le patronat et en particulier, aujourd'hui, la guerre. Les dépenses d'armement, il n'y a pas de problème pour ça. Et pour ça, ils s'attaquent à toute la population, ils s'attaquent aux travailleurs, ils s'attaquent aux retraités, aux chômeurs, bref, à toute la population la plus pauvre. C'est une véritable guerre que les patrons, que les capitalistes et que les États occidentaux à leur service sont en train de mener. Alors contre ça, vous n'êtes pas seul. Il y a toute la classe ouvrière. Vous êtes une partie de la classe ouvrière. Et c'est toute la classe ouvrière qui peut faire changer les choses. Parce que qui c'est qui produit les richesses dans la société? Vous le savez. Qui c'est qui contribue à faire fonctionner toute l'économie? Vous êtes une partie prenante de cela, mais c'est l'ensemble des travailleurs. Et l'ensemble des travailleurs, eh bien, ils peuvent dire stop. Ils peuvent dire ça suffit. On ne tombe pas dans le piège de la division parce qu'ils sont en train d'essayer de nous dresser les uns contre les autres, de nous diviser. Eh bien, comme le disait, d'ailleurs, c'est pas nouveau, déjà au 19e siècle, Karl Marx disait « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous pour renverser le capitalisme ». Alors aujourd'hui, eh bien, c'est toujours d'actualité. En effet,
Il faut que l'ensemble des travailleurs s'unissent et la première revendication qui doit être mise en avant, c'est que tout le monde ait les mêmes droits et en particulier que vous, vous ayez des papiers. Régularisation pour tous les travailleurs sans papiers, c'est votre intérêt, mais c'est l'intérêt de tous les travailleurs. Voilà ce que je tenais à vous dire. Bravo les camarades.